Bonjour à toutes et à tous. Je suis présentement illuminée par ce soleil artificiel, donc je vous vois très peu, mais je vous sens nombreux, nombreuses, donc je suis vraiment heureuse de vous retrouver ici aujourd'hui pour cette activité en très, très belle compagnie. Je vais vous présenter bientôt toutes nos invités. Mais tout d'abord, laissez-moi simplement mentionner que cet entretien, cette table ronde, en fait, se tient dans le cadre, évidemment, du Festival Québec en toutes lettres et, entre autres, grâce au soutien indéfectible de notre partenaire BCF Avocat d'affaires que nous tenons à remercier chaleureusement. Je m'appelle Mélissa Véro. Pour ceux et celles qui me connaissent peut-être, je suis moi-même autrice, traductrice littéraire. Et aujourd'hui, il est évident que la discussion qu'on s'apprête à avoir va fortement m'intéresser parce que ça fait appel à différents de mes chapeaux, mais je veux vraiment endosser celui de l'animatrice en espérant que mes questions sauront répondre à votre curiosité. Mais si vous en reste à la toute fin, n'hésitez pas à les poser car on a un 15 minutes qui est réservé aux questions du public. Donc, prenez des petites notes au fur et à mesure de la table ronde et on pourra vous renvoyer la balle donc, en toute fin d'activité. Avant de commencer, j'aimerais, si vous le permettez, dédier cette rencontre à une personne très importante qui nous a malheureusement quittés de façon subite dans les dernières heures. Donc, j'ai nommé Laurie Saint-Martin, qui est décédée à Paris il y a vraiment 12 heures à peine. On l'a su ce matin, c'est une perte immense pour la littérature québécoise, mais pas seulement, parce que Laurie Saint-Martin était une grande traductrice qui a souvent été honorée pour ses traductions qui étaient sublimes, faites avec un souci du détail incroyable. Donc, d'une façon toute personnelle, j'ai eu la chance de la connaître en tant qu'étudiante, entre autres, mais aussi comme traductrice, je l'ai eue comme mentor. Donc, vraiment, c'est une très grande perte et j'espère que, ben, où qu'elle soit, elle puisse nous entendre parce que je crois que ça l'aurait franchement intéressé, ce dont on s'apprête à parler aujourd'hui, ça l'aurait concerné directement. Donc, voilà, c'était pour la petite note un peu triste, mais bon, voilà, la vie continue. Alors, on va se lancer dans un sujet qui est franchement intéressant. Et je vais juste vous mettre la table en vous rappelant un peu quels sont les questionnements qui seront les nôtres aujourd'hui. Donc, on va s'interroger sur les liens entre l'autofiction et la traduction. En compagnie de nos invités que je vais vraiment vous présenter très rapidement, on va se demander dans quelle mesure est-ce que l'autofiction, ou évidemment c'est un texte dont l'auteur ou l'autrice est son propre sujet, peut mener l'auteur ou l'autrice à se découvrir étranger ou étrangère à soi-même. Et à l'inverse, comment est-ce que la création de personnages qui sont purement fictifs, si ça peut exister, ça serait une question en soi, comment cette création-là peut en réalité révéler des aspects cachés de l'auteur ou de l'autrice? Parallèlement à tout ça, on va se demander de quelle façon est-ce qu'un travail de traduction peut venir s'inscrire dans l'autofiction. Donc, quand on est traducteur, comment est-ce qu'on s'immisce dans l'intimité d'une personne qu'on traduit? Et est-ce que ça peut mener à d'autres découvertes encore qu'on ne voyait pas dans l'œuvre originale? Et finalement, est-ce qu'écrire, c'est peut-être aussi provoquer la rencontre par laquelle on convoque la magie qui ouvre à l'inespéré, à une rencontre dont on ressort transformé, grandi, enrichi, non seulement en tant que créatrice, traductrice, mais aussi lectrice, lecteur. Donc, voilà qui s'avère franchement inspirant. Et je vais vous présenter, donc, en commençant par la personne la plus proche de moi, la poète et écrivaine Denise Desautels. Donc, Denise, bonjour et bienvenue à Québec. Donc, Denise Desautels est née à Montréal en 1945. Elle a signé une vingtaine de livres de poésie, une quinzaine de livres d'artistes, un récit, des textes dramatiques radiophoniques, ainsi qu'un abécédaire. Elle collabore fréquemment avec des artistes visuels, dont Betty Goodwin et François Sullivan. Ses textes portant fréquemment un questionnement sur l'écriture qui passe par une réflexion sur l'art. Parmi les récompenses qui lui ont été attribuées, notons le prix du gouverneur général, le Grand Prix québécois du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, le prix Jean Harpe de littérature francophone, ainsi que le prix Athanase David, distinction qui couronne l'ensemble de la carrière d'un écrivain ou d'une écrivaine du Québec. En 2021, elle est devenue la deuxième Québécoise à être publiée par la prestigieuse maison d'édition Gallimard, où L'angle noir de la joie, suivi de D'où surgit parfois un bras d'horizon, a fait son entrée dans la collection Poésie.
Donc, j'ai essayé de faire ça court, mais je vous jure que si vous allez juste sur la page Wikipédia, il y a de quoi s'amuser pendant des heures en suivant les hyperliens. Donc, une carrière foisonnante. Alors, vraiment, c'est un plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui. Ensuite, à sa gauche, là, vous n'êtes pas dans l'ordre où moi je vous avais prévu, fait que je vais tourner mes pages. Nous avons Catherine Mavrikakis, écrivaine essayiste, née en 1961 à Chicago, d'une mère française et d'un père d'origine grecque, ayant grandi en Algérie. Après avoir enseigné à l'Université Concordia, elle est devenue en 2003 professeure au département des littératures de langue française de l'Université de Montréal. Connue entre autres pour ses romans « Le ciel de Bay City »,« Oscar de Profundis » et « Les derniers jours de Smokey Nelson », elle a récemment fait paraître « Niagara ». Membre de l'Académie des lettres du Québec, elle a été de nombreuses fois finaliste au prix du gouverneur général, en plus de se voir décerner le prix Spirale Eva Legrand, le prix Victor Barbeau, le Grand prix du livre de Montréal, le prix littéraire des collégiens, celui des libraires du Québec et celui Jacques Cartier du roman et de la nouvelle de langue française. Encore là, j'ai dû couper un peu, mais ça vous donne une bonne idée quand même de la personne à qui on a affaire et qu'on est très content d'accueillir aujourd'hui. Ensuite, toujours à sa gauche, et là, je retourne dans mes pages, vraiment, un trombone, c'est pas super. On va l'enlever, ça va être plus simple. Alors, nous avons Michèla Messner, donc, qui est, elle, traductrice, née en 1962 à Mayence, en Allemagne, et c'est en ce lieu qu'elle a complété toutes ses études jusqu'au baccalauréat. De 81 à 82, elle a séjourné à Paris, après quoi elle a entrepris des études supérieures en philologie des langues romanes, en ethnologie et en allemand langue étrangère à la Ludwig-Maximilians-Universität de München, ce qui l'a menée à décrocher une maîtrise ESSAR dont le titre « Je n'ai jamais parlé d'autre chose que de moi » nous donne potentiellement un indice sur la raison de sa présence autour de cette table aujourd'hui. Depuis 1990, elle a traduit de nombreux titres vers l'allemand à partir du français, de l'espagnol et de l'anglais. Elle a entre autres reçu le prix Raymond Aron pour son projet de traduction de l'ère du vide, essai sur l'individualisme contemporain de Gilles Lipovetsky. Depuis le 15 septembre et ce jusqu'au 15 novembre, elle est en résidence, ici même, à la Maison de la littérature, dans le cadre d'un échange d'écrivains entre le Québec et la Bavière. Donc, dans le cadre de cet échange, notre collègue Valérie Forgue est en ce moment en Bavière. Donc, c'est malheureux, vous n'aurez pas l'occasion de vous croiser, mais vraiment, c'est un très grand plaisir de vous avoir ici avec nous aujourd'hui. Et la dernière, mais non la moindre, hop, vraiment ces pages... C'est pas l'idéal. L'écrivaine Audur Ava Olafsdottir, qui est née en 58 à Reykjavik. Celle qui a fait ses études en histoire de l'art à la Sorbonne de Paris est professeure d'histoire de l'art à l'Université d'Islande et directrice du musée de cette même institution. Elle a remporté le prix des libraires du Québec 2011, catégorie roman étranger, pour son roman Rosa Candida, de même que le prix Médicis étranger 2019 pour son roman Miss Island. Tandis que son roman « L'exception » s'est vu couronné par le prix littéraire des jeunes européens et que les romans « L'embellie » et « Or » ont respectivement reçu le prix de littérature de la ville de Reykjavik et le grand prix du conseil de littérature du Conseil nordique. La version française de son plus récent livre « La vérité sur la lumière » est parue en 2021 et il y avait d'ailleurs un très beau papier dans la presse ce matin sur ce livre. Donc, si vous êtes curieux, vous pourrez aller lire ça et évidemment vous procurer le livre. Je le mentionne tout de suite en petite parenthèse, mais les livres de nos invités sont disponibles à la vente juste à la sortie tout à l'heure si cela vous intéresse. La librairie de la Liberté tient pignon, non pas sur rue, mais dans maison pour aujourd'hui. Donc, voilà qui est fait. Alors, est-ce qu'on est ouvert? Oui. On m'entend? Oui. Non, j'allais juste préciser que je suis ex-historien de l'art. Je suis juste écrivain maintenant. Je passe ma vie désormais en pyjama. Chose non, que les historiennes de l'art n'ont pas le droit de faire. Mais merci pour cette précision. Il faut mettre à jour Google, là, vraiment. Là. Donc, mais c'est... déjà, en soi, juste écrivaine, c'est beaucoup, je trouve. Donc, un chapeau à la fois. Et en tant qu'écrivaine, donc, je vous lance cette question, mais je la lance à toutes les quatre pour démarrer nos échanges. En fait, je vais vous lire une petite citation de quelqu'un que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Marcel Proust, et qui a dit « Je m'apercevais que, pour exprimer ses impressions,
pour écrire ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. Donc, je pense que ça pourrait peut-être nous inspirer. Alors, je vous demanderais simplement, comment ça trouve écho en vous, cette phrase très longue, évidemment, de Marcel Proust, avec beaucoup de virgules? Il n'y a pas d'ordre, hein? Vous y allez comme bon vous semble. Sinon, je peux vous pointer. Soyez pas gênés. On commence par les plus intelligentes qui s'expriment en français quand même pour quelqu'un comme moi. Je l'apporterai cette question un peu différemment parce que moi, je suis quand même, j'écris dans une langue marginale minoritaire parlée par 350 000 habitants de l'Islande. Alors, si ce n'était pas pour les traducteurs, on n'aurait pas une voix à l'étranger. Un traducteur, une traductrice, pour moi, c'est quelqu'un qui réécrit nos livres dans sa propre langue. Et en fait, ils sont du coup très importants, essentiels pour nous. En fait, ceux qui parlent islandais sont tellement rares qu'on reste souvent sur une liste d'attente pendant des années où il n'y a qu'une personne dans le pays qui parle islandais. Mais moi, par ailleurs, j'ai dédié deux prix à mes traducteurs, à mes traductrices. Alors, en ce qui concerne M. Proust, oui, en réalité, l'écriture, c'est un monde à soi qui n'est pas la réalité. Donc, ça, c'est un microcosmos, c'est un monde avec ses propres lois. C'est beaucoup plus logique, en fait, que la vie qui est chaotique. Un auteur, c'est quelqu'un qui organise le chaos et essaie de lui donner un sens. Et dans ce sens-là, ça, on peut l'appeler traduire, si on veut. Donc, écrire, ce serait traduire le chaos de la vie, finalement, pour lui donner un sens. J'aime bien cette définition. Michela, je vous ai vu prendre le micro. Oui, c'est, on peut m'entendre. Je crois qu'il n'a pas tout à fait raison. Alors, pour moi, si quelqu'un écrit une autofiction, alors je veux dire un livre qui est inspiré par sa propre vie, ce qui est une différence pour l'autobiographie. Ça n'a fait aucune différence que ce soit ça ou un livre complètement inventé de la première phrase jusqu'à la dernière, parce que là, je ne vais pas faire des recherches. Si j'ai une autobiographie, il faut que ce soit juste. Mais une autofiction, je la traite comme un livre inventé. Et la question de si on met beaucoup de soi dans une traduction, c'est un peu l'expérience qu'elle a eue, que j'ai besoin de beaucoup d'empathie pour me mettre dans la tête de quelqu'un d'autre. Et j'essaie d'apprendre toutes ces langues qu'il faut pour traduire cette œuvre, mais je ne mets rien de moi dedans, mais toutes mes capacités, tous mes doutes, toutes mes recherches, tout ce que j'ai vécu, lu, est dedans. Et si, par exemple, j'ai un livre, pour la traduction, c'est très difficile. Il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre que je ne comprends pas. Par exemple, on a un personnage qui a un certain langage, et il faut l'apprendre. C'est vraiment, ou bien une autre époque, alors on cherche peut-être un livre dans la même langue, un livre allemand qui joue dans la même époque pour s'entraîner
Et pour à la fin, il y a toujours ce check. Est-ce que j'ai mis trop de moi dedans ou est-ce que c'est vraiment ce que cette personne a ressenti ou vécu ou écrit, ouais. Alors, je vois une différence. Donc, vous vous gardez toujours un peu à distance, c'est-à-dire que, comme vous l'avez bien résumé, il y a, oui, votre travail, vos doutes, votre recherche, mais il n'y a pas vous comme personne. Il y a une mise à distance quand même par rapport au personnage. Vous n'essayez pas de prendre sa place. Vous avez nommé l'empathie comme qualité essentielle. Oui, j'essaie de prendre la place de tous les personnages que je trouve là-dedans. Non, c'est vraiment... Parfois, je ne trouve pas l'image, mais... que je m'initie dans mon auteur, c'est parfois vraiment une petite relation d'amour ou bien de haine si on n'aime pas, ou bien ce sont des phases différentes aussi. Au début, j'ai toujours l'impression cet auteur-là, ce livre-là, je vais échouer. Et après, c'est la lutte. Et après, quand je vois, j'ai vraiment trouvé quelque chose qui correspond. Ça, c'est la grande joie. Mais ça, c'est intéressant, puis on pourrait voir si du côté des écrivaines qui écrivent en langue originale, il n'y a pas les mêmes étapes un peu de certitude qu'on va échouer, ensuite de lutte, puis ensuite finalement d'un sentiment de « Ah oui, j'ai fini par réussir quelque chose ». Donc, ça, je crois que dans les deux processus, ça peut se produire. Catherine, vous vouliez peut-être intervenir? Oui, je vais commencer par une anecdote. J'ai écrit un livre il y a des années qui s'appelait « Le ciel de Bessiti », puis j'ai toujours eu l'impression qu'il n'était pas écrit dans la bonne langue, qui était le français, parce que il est écrit en français. Et il a été traduit l'année dernière en allemand, et j'ai eu l'impression qu'il avait enfin atteint la langue dans laquelle il devait être. C'est-à-dire que c'était un texte qui, pour moi, si j'avais connu l'allemand bien, je l'aurais écrit en allemand. Donc, j'ai l'impression que quand même, dans la traduction, par la traduction, les livres trouvent parfois leur langue. C'est-à-dire qu'il peut y avoir toute une réflexion comme ça. Il peut y avoir quelque chose qui se passe à travers la traduction qui va amener le livre. Je vais le dire, j'ai une vision très, très classique. J'ai l'impression qu'il y a... Parfois, les traducteurs amènent les livres vers son idéal qui n'a pas toujours été atteint. Alors, je ne le vois pas toujours comme une perte du tout. Je le vois au contraire comme le livre a une vie et il peut arriver à... Bon, j'ai besoin de croire ça parce qu'il y a des livres que je veux lire en français. J'espère qu'ils sont aussi bien, si ce n'est mieux, que dans la langue originale. Mais en ce qui concerne Proust... moi, je ne pense pas du tout que la traduction et la création, ça soit pareil. Je pense que le travail de traduction, c'est quand même un travail de précision par rapport à un original, qui est un original, qui nous est donné. Il y a quelque chose qui nous est donné. Et oui, des fois, on est accompagné par des textes. Denise est beaucoup accompagnée. Elle-même, des fois, elle met à la fin de ses textes ses accompagnements. Mais je crois que la traduction, quand même, c'est une création. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vraiment pas le même type de création. Je pense qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose quand même de l'infidélité qui est plus grande dans la création telle qu'on la conçoit littéraire que dans la traduction. Je pense qu'il y a quand même un principe de fidélité auquel on ne peut pas échapper. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très différent. Et moi, je vois plus la traduction comme... Moi, j'enseigne la littérature, je le vois plus comme mon travail d'enseignement de la littérature, c'est-à-dire je me casse la tête sur des textes pour essayer de comprendre ce que... Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose quand j'écris. J'ai l'impression quand même, malgré tout, que j'ai beaucoup plus de liberté. Mais voilà. Mais c'est bien d'opposer toutes ces visions-là. Et donc, Denise, je serais curieuse de vous entendre. Oui, ben moi aussi, je crois que écrire, c'est bon, c'est peut-être se traduire soi-même, mais il reste que moi, je pars de soi, de moi surtout que je suis la seule poète. Donc, évidemment, même si Rimbaud dit que je suis un autre, il reste un peu lui-même, elle-même dans mon cas. Et bon, j'essaie de de me regarder de l'extérieur, d'examiner. J'aime beaucoup le mot chaos parce que c'est un mot qui me touche beaucoup. Alors, le chaos intérieur puis le chaos extérieur, c'est ces deux chaos-là qui alimentent mon écriture de plus en plus, qui l'animent, qui me porte à vouloir écrire un autre livre. Et en ce sens-là, dans notre énoncé, il y avait aussi l'idée de la rencontre. Et pour moi, donc,
Catherine a parlé d'accompagnement. Donc, accompagnement et rencontre sont aussi deux mots très, très, très importants. J'ai voulu apporter le petit dernier qui est sorti un tout petit peu avant le Gallimard, mais parce que ça a été de tous les livres que j'ai fait, peut-être celui qui répond le plus à la rencontre, dans la mesure où j'ai fait ce livre avec une artiste québécoise, Sylvie Coton. Il y a 11 œuvres dans le texte. Chaque chapitre commence par l'œuvre. Mais ce qui a été beau dans la rencontre, c'est que je devenais écrivaine en résidence à la revue Relations. On me demandait des textes à tous les deux mois, 700 mots pour une poète, 700 mots, c'est beaucoup. Et on m'a dit, mais vous, comme vous travaillez avec des artistes, vous pouvez peut-être choisir une artiste. Et j'étais à Québec, justement, et au musée, c'était il y a 4 ou 5 ans, il y avait une expo qui était une expo vanité. Et dans cette expo, où il y avait 30 ou 40 œuvres, des œuvres de la collection, il y avait, entre autres, l'œuvre de Sylvie Coton, Disparaître, qui est, je peux juste vous le montrer, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais qui est une œuvre absolument géniale. En fait, c'est un miroir sans teint et rempli aux deux tiers de cendres. Alors, j'avais déjà vu cette œuvre, mais ce jour-là, ça a été une vraie rencontre. Les 30 autres œuvres, je les ai vues, je les ai regardées, mais continuellement, je revenais vers cette œuvre-là et je savais que là, ça, c'était une vraie rencontre et que tout allait partir de ça. Et ce chaos qui est le mien, le chaos du monde, Sylvie, qui est beaucoup plus jeune que moi, beaucoup plus zen que moi, était consciente de tout ça. Elle le vit, elle aussi, sauf qu'elle a un côté beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé que moi. Donc, ça a été une rencontre très lumineuse entre nous. Et voilà, ça a donné lieu à un livre qui, lui aussi, peut-être un jour sera traduit. Bien, voyez-vous, ce travail-là avec des artistes visuels comme justement une sorte de traduction, là, on pourrait tirer la définition du terme. Donc, cette œuvre qui vous a vraiment beaucoup touché et qui vous a inspiré, est-ce qu'il y a une forme de traduction de l'œuvre en mots, finalement, quand vous en faites un poème? À la fois la traduction de l'œuvre, mais la traduction de ce que je porte en moi. Il y a véritablement une rencontre entre ce qui était là, parce que le livre précédent était un livre de colère, j'allais dire. Je dis toujours que je pensais vieillir calme et sereine, et quand j'ai écrit « D'où surgit parfois un bras d'horizon », c'était la colère qui m'animait devant ce monde qui est terrible, qu'on lit à la une des journaux tous les jours, qu'on entend à la radio. Donc, voilà, cette colère-là m'habitait et tout à coup, la rencontre a fait en sorte que peut-être que cette colère-là a pu s'apaiser et être traduite autrement, passer. Je pense que je suis toujours meurtrie par ce qui se passe dans le monde, mais mon écriture a pu être portée autrement par cet accompagnement, parce qu'il y a eu l'œuvre de Sylvie, mais il y a eu aussi les rencontres qu'on faisait ensemble. Elle exposait dans son atelier plein d'œuvres qu'elle avait faites, des objets, des photos d'elle en performance et tout et tout. Et on les commentait ensemble. Donc, on mettait en commun et peut-être qu'on traduisait le monde ensemble à haute voix avant que je revienne avec tout ça et qu'après, j'aie envie d'en faire du texte, de sortir tout ça de moi parce que le jeu a beau... Je disais, le jeu est un peu moi quand je suis poète, mais il reste que l'important en écrivant, c'est de mettre en forme tout ça et de donner une couleur qui soit autre que la mienne, qui puisse rejoindre tout le monde, même si le livre commence par un « tu » qui a l'air de s'adresser à Sylvie et qui peut-être au départ s'adressait à elle, mais il revient vers moi puis il va vers vous aussi. Du moins, c'est ce que je veux en écriture, en fait. Excusez-moi d'avoir pris beaucoup. Traduire, c'est aussi traduire la musique de chaque texte. Et moi, je lis normalement 4 de mes traductions, 4 langues, une langue nordique, le danois ou le norvégien, l'anglais, le français et l'italien. Et c'est ce que je trouve qu'ils sont en commun, s'ils sont bien réussis, c'est d'avoir trouvé la musique qu'il faut. Pour quelqu'un qui écrit en image, en quelque sorte, comme moi, encore plus les poètes,
bien entendu. Alors, c'est la musique qui convient, parce qu'avec chaque roman, il y a une musique différente qui va avec. Du coup, il faut trouver cette musique et aussi, le plus important, c'est de traduire ce qu'il y a entre les phrases et entre les mots. C'est en quelque sorte la voix du narrateur, narratrice, ce moi du roman qui consiste à ce qu'il y a entre les mots, entre les lignes. Moi, j'ai aussi l'expérience de traduire. J'ai traduit quelques pièces de théâtre en islandais, du danois, anglais et français. Et là, carrément, vous le savez, les pièces de théâtre, ça ne parle que de ce qu'on ne dit pas, c'est ce qu'il y a entre les mots. Alors, c'est ça, la traduction d'une pièce de théâtre. C'est une chose que j'ai remarquée dans plusieurs de vos livres, ceux qui m'ont été donnés à lire dans le cadre de la préparation de la table ronde. L'intertextualité, en fait, parce que dans votre cas, dans votre démarche, Denise, c'est clair, c'est assumé, je travaille avec des artistes, mais dans tous vos livres, il y a la présence des artistes autres, que ce soit d'autres textes, mais aussi de la musique, vous avez parlé de la musique, il me semble que dans La vérité sur la lumière, il y a un passage où sont nommés plein de chansons qui accompagnent le personnage. Donc, la musique est présente, pas seulement dans la musicalité des mots, la sonorité des phrases, mais aussi littéralement en référence à des œuvres qui existent. Donc, c'est cette espèce de jeu avec les œuvres des autres qui se retrouvent dans les vôtres. Ça peut poser un défi parfois pour la traduction, parce qu'il faut savoir les repérer. Des fois, ce n'est pas si évident, la référence. Elle est glissée là, mais sans guillemets, sans note de bas de page. Donc, il faut qu'on puisse la déceler pour la traduire et pour donner parfois le titre traduit justement de cette œuvre-là en allemand, par exemple. Mais comment ça s'opère, donc? Est-ce que c'est quelque chose qu'on se donne comme mission de dire « je veux faire rentrer le monde dans l'œuvre que je suis en train d'écrire, donc je n'hésite pas à faire intervenir les œuvres des autres » ou c'est plus quelque chose d'accidentel, je dirais, qui va de soi, qui apparaît naturel à un certain moment, mais qui n'est pas nécessairement rattaché à un désir? Moi, je veux bien répondre. Je ne sais pas écrire sans... Je ne sais pas si le mot « accompagnement » me convient. C'est quelque chose qui va très bien pour Denise. Moi, je ne sais pas écrire sans... je vais le dire, sans m'appuyer. Moi, ça sera un appui sur les textes des autres. C'est-à-dire, j'ai besoin de lire et de penser à d'autres textes pour écrire. Alors, ce n'est pas nécessairement un seul. Hein. Quoi qu'il y a toujours du plagiat quand on écrit. Ça, c'est une autre question parce que je trouve qu'il y a toujours... On peut pas... On est toujours traversé par d'autres textes. Hein. Alors, je dis plagiat en accentuant la chose, mais il y a toujours de l'emprunt, ça c'est sûr. Et des fois même on s'en aperçoit pas. C'est peut-être là c'est le pire. C'est-à-dire c'est là où on devient plagiaire sans le vouloir, hein, innocemment plagiaire. Mais moi je pense que c'est, je ne saurais pas écrire, mais c'est aussi ça dépend des trajets. Je ne condamnerais pas du tout quelqu'un qui écrirait sans avoir lu. Mais mon trajet c'est, je suis venue à l'écriture par la lecture. Alors pour la traduction je ne sais pas. Est-ce qu'il faut savoir tout? Je ne sais pas si, je sais même pas si moi je sais tout quand j'écris. Donc je ne sais pas si la traductrice ou le traducteur doit savoir tout. Mais c'est vrai que il y a cette idée que la traduction devrait essayer de comprendre tout ce réseau de sens, tout ce faisceau de sens que personne ne peut voir en fait, parce que personne ne sait la totalité du texte à chaque instant. Donc c'est complètement. Je trouve que c'est vraiment difficile de traduire. Mais moi, j'ai beaucoup aimé être accompagnée, entre autres, pour un texte qui a été traduit en espagnol, puis un autre en catalan, puis un autre en anglais. Que le traducteur ou la traductrice vienne vers moi et qu'on fasse des FaceTime et qu'on échange longuement, qu'on puisse expliquer ce qu'on... En fait, tenter d'expliquer les multiples possibilités telle expression. Et je trouve que c'est intéressant, c'est même intéressant pour moi dans le cas de la personne traduite et de pouvoir... En fait, c'est comme si j'apprenais mon texte, je découvrais mon texte à montrer à l'autre toutes les possibilités de sens ou même d'être surprise que ça n'allait pas de soi pour quelqu'un qui connaît bien le français. Et donc, je trouve ça intéressant. Et je pense toujours à ce beau texte qui avait d'abord été publié il y a très longtemps.
mon âge a été donné, donc je peux dire ça. Je pense que c'est un des premiers numéros de la revue Liberté, des écrits, pardon, où il y avait eu cette première version du texte, de l'échange de lettres entre Frank Scott et Anne Hébert. Frank Scott traduisant Le tombeau des rois. Et c'est un texte magnifique, justement parce qu'elle pointe du doigt à moi. Là, il y a des L qui se... C'est très liquide, il y a ceci, il y a cela, donc c'est pas tout à fait, il faudrait aller ailleurs. Et c'est très, très beau de voir cet échange entre les deux, lui étant lui-même poète. Alors, je trouve qu'on apprend beaucoup avec la traduction, parce qu'on est obligé de donner des pistes à l'autre sur ce qu'on a voulu faire, ou tenter de faire, ou questionner, disons. Michela? Oui, je crois que dans le cas de traduction de la poésie, c'est vraiment le plus important, c'est qu'il y ait un contact entre l'écrivaine et le traducteur ou la traductrice, parce que c'est souvent très fertile ce qui sort de ces rencontres-là. Parce que c'est très ouvert, un poème, on ne peut jamais... c'est vraiment une récréation qu'il faut faire dans ce cas-là. Et quand on a une traduction d'un roman qui raconte des histoires, chaque genre pose d'autres questions au traducteur. Alors c'est vraiment un domaine très vaste. Il y a des écrivains qui ont un langage très poétique. Il y a des écrivains qui se servent de beaucoup de sociolectes qu'il faut apprendre. Alors vraiment, c'est très vaste. Et des fois, on a de belles rencontres avec des poètes et des traducteurs. Et ça, parce que là, il faut vraiment cet échange. On ne peut pas savoir ce que l'autre a vraiment senti. Et c'est, je ne sais pas, quand j'ai une prose... J'ai l'impression que l'intervention n'est pas aussi brutale que dans le cas de la poésie. Parce que là, il faut vraiment recréer. Aussi dans les autres cas, mais c'est plus facile quand même, ou c'est plus... non, pas facile. Rien n'est facile dans la traduction, mais... et pour ça, je trouve les échanges entre traducteurs et... les écrivains qui existent, c'est-à-dire on invite un traducteur et puis l'auteur vient pour discuter quelques... Ça peut enrichir les deux, vraiment. Mais il y a quand même les traducteurs qui disent, qui avouent que c'est plus facile de traduire les auteurs morts. Parce que, c'est le plus difficile, c'est de traduire ceux qui comprennent la langue. Ouais. Ouais, effectivement, ils s'obstinent un peu moins ceux qui sont morts, hein. mais on perd quand même quelque chose en tant que traducteur quand on n'a plus accès à la personne qui a écrit le texte original, puisque cet échange-là est effectivement généralement très, très stimulant. Et on comprend qu'on n'avait rien compris, finalement, à de nombreuses reprises. Mais c'est vrai pour l'auteur également, qui, lorsqu'il est traduit, se rend compte que j'avais même pas saisi que j'avais laissé ça là, que j'avais placé cette pierre. Et là, quelqu'un vient de la voir, parce qu'il n'y a pas plus grand lecteur plus assidu et vraiment attaché aux plus minuscules détails que le traducteur ou la traductrice. Il et elle voient tout, ou presque. Donc, quand on se sait mis à nu comme ça en tant qu'auteur, disons que c'est... on se sent un peu vulnérable quand on sait que notre texte est traduit. Catherine, j'ai vu que vous vouliez intervenir, c'était peut-être sur les morts. peut-être sur les morts, oui. Mais moi, je ne sais pas, je comprends tout à fait le travail de co-création, en fait. Ce dont on parle, c'est la traduction comme co-création. Mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même bien, je suis tout à fait d'accord de traduire les morts, parce que c'est quand même du texte, c'est quand même, vous voyez, on n'est pas en train de co-créer quelque chose, c'est bien, pour moi, c'est autre chose. Mais les textes, quand même, ils existent en dehors de nous, parce que, je veux dire, on ne peut pas dire aux gens, lis-le donc pour entendre tous les L, là, c'est pas tout à fait, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, je veux pas, j'aime beaucoup cette rencontre, moi, ça me plaît, mais je veux quand même dire, il me semble que
il faut penser qu'on pourrait être... Denise sera traduite dans son temps autrement, et puis, bon, ben, on ne sera plus là, mais il faut espérer que ça, le texte continue quand même. En fait, moi, c'est ce rapport que j'ai au texte. Oui, absolument, et même pour un texte qui ne sera jamais traduit, c'est tout à fait vrai aussi. Tout à fait, c'est un objet à part entière. Et ce détachement-là, est-ce que vous trouvez qu'il est un peu plus difficile quand il s'agit d'une autofiction ou d'un texte où on a mis beaucoup de soi, en tout cas, parce que je suis toujours un peu hésitante à utiliser le mot autofiction pour la poésie. C'est assez rare qu'on applique ce terme-là, puisqu'on ne considère pas nécessairement que la poésie appartient à la fiction. En tout cas, on pourrait avoir tout un débat là, sémantique. Mais bref, quand on parle de soi, quand on met ses tripes dans un texte, est-ce que c'est plus difficile après de le considérer comme un objet duquel on peut se détacher puis dire aux gens, ben, faites-en ce que vous voulez, interprétez-le comme vous voulez, il ne m'appartient plus? Ben, je pense qu'écrire, pour moi, c'est ça. Même si c'est de la poésie, mon désir, c'est que ce texte-là aussi m'échappe, évidemment, qu'il prenne forme en dehors de moi. Tout mon travail d'écriture, c'est ça. Justement, c'est pas de l'autobiographie. Même si les préoccupations partent de moi, il reste que c'est autre chose qu'une psychanalyse. C'est vraiment un travail d'écriture, de mise en forme, et ça, j'y tiens beaucoup. Ça me semble absolument, absolument essentiel. Je reviens à l'idée de la... Je sais pas si peut-être je me suis fait mal comprendre, c'est pas tellement l'idée de co-création que je mettais de l'avant. J'aime apprendre quand un traducteur me pose des questions et que j'ai à répondre, et donc à proposer des choses... Mais un jour, on traduira sans moi. On peut le faire aussi. Je pense que j'ai compris. C'était juste que je voulais juste te dire. Ouais. Moi, j'aime bien l'idée de cette... Moi, je pense qu'avec ton travail, c'est cet accompagnement jusqu'au bout. Ouais. Il y a beaucoup d'œuvres comme ça. Mais les textes, en même temps, tout le travail, c'est que les textes nous échappent aussi malgré tout. Je reviens sur la question de l'intertextualité. J'en ai aussi beaucoup chez moi et tout n'est pas nommé. Évidemment, les exergues, c'est nommé. Bon, des fois, je nomme les noms, mais il reste qu'il y a des passages où... Et ça, évidemment, ça se perd dans le grand temps, puisqu'on sait très bien que tout le monde ne peut pas avoir tout lu. C'est bien quand on lit le livre d'un ou d'une autre et qu'on dit « Ah oui, ah, je devine là qu'il y a telle chose ou telle chose. » Mais sinon, ça peut passer inaperçu. Mais je reviendrai peut-être, j'aborderai aussi cette idée que, comme lecteur, on est aussi des traducteurs. Hein? Je pense toujours au roman de Nicole Brossard, Le désert mauve, où il y a un texte, puis il y a une traductrice qui va rencontrer le texte et qui va en faire une analyse des espaces, des temps, des lieux, des personnages pour le retraduire. Dans ce cas-là, c'est en français, du français au français. Mais c'est intéressant puisque ça nous fait prendre conscience que si on veut vraiment bien lire un livre après l'avoir lu une première fois et en avoir éprouvé un grand plaisir, si on veut comprendre son plaisir et aller plus loin, ben je pense qu'il y a un travail de traduction qu'on fait, la traduction de son plaisir. Non, mais je pense pour l'autofiction que l'autofiction, c'est du fiction. C'est pareil. Il n'y a pas, c'est une l'écriture, c'est un monde à part, une réalité à part, et de toute façon, ce moi, je ne saurais pas le définir. C'est une œuvre en cours, et on n'est pas la même personne aujourd'hui qu'on était il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a un mois, et ce moi dans l'écriture, c'est assez compliqué, je trouve. On écrit ce qu'il y a du moi, du personnel. Ce sont aussi des livres que j'ai lus, les films que j'ai vus. On écrit un peu comme on lit pour avoir plusieurs vies, pour partager la vie des autres. Et pour, on a ce privilège, cette liberté de se glisser dans la peau de quelqu'un d'un autre sexe, de l'orientation sexuelle différente. Et c'est ça, l'autofiction, c'est pas copy-paste de la vie, ça n'existe pas, c'est une fiction.
Et parler de soi en l'écriture, ça va toujours devenir une étrangère. En tout cas, une œuvre aussi, quand c'est terminé, un roman, quand c'est terminé, pour moi, je le sais parce que c'est comme si ça avait été écrit par quelqu'un d'autre. C'est devenu étrangère. Et moi, j'aurais plus accès, si, en tant que lecteur, mais je ne saurais pas plus que n'importe quel lecteur de ce qu'il va arriver après. C'est vraiment intéressant, donc, cette idée qu'il y a une forme d'étrangéisation qui se passe dans le processus de création, donc de mise à distance, même si au départ on parlait de soi ou on partait de son vécu, ça nous devient parfaitement étranger. J'aurais envie de vous relancer sur l'idée des langues étrangères, parce que vous avez dit quelque chose d'intéressant, Denise, par rapport au Désert Mauve, donc cette traduction du français vers le français. En fait, j'aurais deux questions. La première étant, est-ce que ça vous est arrivé, parce que vous avez été publié en France, Catherine aussi, certains de vos livres sont parus en France, est-ce qu'il y a eu une forme de traduction du français vers le français lorsque vos livres ont été adaptés là-bas? Ben, justement, on pourrait appeler ça une adaptation, ou si la langue est restée telle qu'elle, donc celle originale que vous aviez employée? Ben, je sais pas, tu es allée d'abord? Moi, je dirais que c'est moi qui me suis adaptée depuis 50 ans à cette langue. Et donc, ils n'ont pas eu à la retoucher. En fait, je pense que j'ai compris très vite en allant en France, que, puis passant parfois quelques semaines et quelques mois, qu'il fallait que je quitte la langue de l'enfance, qui était à peu près celle du quartier de Michel Tremblay, parce que c'est là que je suis née. Donc, une langue... très peu riche. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question au départ, quoi faire, comment écrire quand on n'a pas de base, même si on est passé par l'université. Il y a toujours la fille de l'Est qui reste en nous, comme dirait Tremblay. On peut pas, elle ne nous quitte pas même si on quitte l'Est. Donc, j'ai dû travailler fort pour trouver une langue qui soit riche, qui arrive en tout cas à donner ce que je veux donner. Et je me suis un peu éloignée. Je pense que là, je rejoins Annie Ernaux dans la place, c'est-à-dire que j'ai un peu peut-être trahi mes origines, c'est-à-dire comment trouver sa place entre deux mondes tout en restant honnête. Donc, pour répondre vite à la question, parce que là, je m'étends, non, je n'ai pas eu ce problème-là vraiment. Dans la vie quotidienne, avec des Français ou des Françaises qui me disent « Ah, Denise, ça ne se dit pas ici, ça, ah ça, ah ça ». Bon, mais ça, c'est dans la vie quotidienne, pas dans les livres. Et vous, Catherine? Oui, mais moi, c'est un peu la même chose. Moi, ma mère était française, donc ma mère me corrigeait tout le temps. Et mais tout le temps, elle avait une grande peur que j'ai l'accent québécois. C'était pour elle sa plus grande peur dans la vie. Donc, elle faisait très attention à me reprendre sur les T et les D. Et elle n'a pas complètement réussi. Mais moi, je pense qu'on a toujours des niveaux de langue. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de... Bon, moi, je pense qu'il y a des textes que j'ai écrits qui étaient beaucoup plus avec une langue qui n'était pas celle de ma mère, je veux dire comme ça, et d'autres, quand, par exemple, le texte où l'absente de tout bouquet, qui est celui où je fais le deuil de ma mère, je lui ai écrit un texte qu'elle aurait aimé, c'est-à-dire celle-là, c'est sa langue à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Puis autrement, je joue, mais je pense qu'on joue tous avec des niveaux de langue. Est-ce qu'on le joue plus par rapport à la France? Moi, sûrement, mais j'ai pas eu ce problème-là. Je pense que c'est un problème qui est en moi. C'est un surmoi qui est en moi à cause de mon histoire. Moi, je ne suis pas une fille de l'Est comme Denise, mais je suis une fille de ma mère comme Denise. Donc, oui, j'ai eu toujours l'impression qu'il fallait toujours que je choisisse quelle langue en français je devais parler. Et c'était tellement pas évident. Mais voilà, sans que la France soit là nécessairement. Bien, la question des niveaux de langue est en soi très, très intéressante. Et par rapport à la traduction, ça pose souvent problème. Je suis curieuse, Michela, en allemand, vous devez aussi évidemment avoir des niveaux de langue. Est-ce que vous réussissez, en passant du français vers l'allemand, à conserver ces différences-là? J'espère que j'arrive. Je vous cite ma dernière traduction. De Negar Javadi, c'est un roman assez choral.
Alors, on a vraiment tous les voix, même les adolescents, on a les dealers, on a les 68ards, on a vraiment un peu tout. Et cette faune humaine-là, j'ai vraiment essayé de trouver pour chaque personnage le vrai langage, c'est-à-dire j'ai regardé toute la série de Caïd pour vraiment avoir le son. J'ai interrogé mes fils à l'infini pour savoir comment les adolescents, ce qu'ils disent, ce qu'ils ne disent pas. Il faut toujours faire un tout petit peu moins que dans l'original, mais j'étais très, très contente. Alors, une fois, j'avais une recension, une critique sur Amazon d'une Aïcha qui disait que ce soit la mère cinéphile ou l'adolescent ou le drogué, je les ai crus chaque mot. Et là, c'était vraiment pour là, ça m'est égal ce que dit la critique, le reste. C'est ça ce que je voulais atteindre. Mais c'est beaucoup de travail, vraiment. Les traductions de mes livres, ça m'aide à savoir de quoi ça parle. Je lis les traductions souvent avant de me rentrer dans un festival de littérature, avant d'aller à l'étranger. Et c'est assez particulier la sensation de pouvoir se dire, mais dis donc, c'est mon roman à moi, c'est le roman que j'écris moi, même en français, même qui est une langue totalement différente de l'islandais ou dans une autre langue que je lis. En fait, puisqu'il y a un manque de traducteurs qui traduisent de l'islandais, et pas mal de des traductions de mes livres sont traduites à partir de l'anglais ou de français. Du coup, c'est important de je ne sais pas comment tamponner, de dire que c'est bon travailler avec les traducteurs de l'anglais et de français, qui sont par ailleurs des amis. Faire la connaissance des traducteurs, c'est vraiment quelque chose qui a enrichi ma vie. Chez nous, en Islande, normalement, un traducteur, c'est quelqu'un qui est tombé amoureux avec un Islandais, une Islandaise. Après, ils sont divorcés, ils ont été obligés de rester là-bas à cause des enfants et ont dû trouver quelque chose à faire. Voilà. Non, en soi, il y a un roman à écrire, je pense, sur le traducteur typique islandais. Je resterai sur les fameuses langues étrangères parce que j'ai remarqué, encore une fois, dans tous vos livres, il y a des mots en langue étrangère. Donc, j'ai lu tous vos livres en français, peu importe que ce soit la langue originale ou traduite. Et dans tous les cas, ben, il y a de l'islandais qui est resté pour différentes raisons. On va garder le terme et ensuite on va l'expliquer parce qu'il n'y a pas l'équivalent exact en français. Donc, on prend le soin avec des périphrases de dire, ben voici la définition de ce terme très précis. Chez vous, Denise, il y a de l'espagnol, il y a de l'anglais. Chez Catherine aussi, il y a beaucoup d'anglais quand même. Donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça, de ressentir à certains moments le besoin de garder une langue étrangère dans un texte en français? Ben là, dans mon cas, pour ce qui est de l'espagnol, entre autres, c'est dans deux textes où je parlais de Goya. Donc, c'était important pour moi de garder les titres, ces titres en espagnol, surtout que, bon, ça donnait du poids, la répétition de « peor », par exemple, pour « pire », et je trouvais ça intéressant. Puis je pense aussi que c'est... Ça donne de la couleur à ma propre langue, disons. Et il faut dire aussi que le quartier que j'habite à Montréal a été le quartier le plus francophone, le plateau Mont-Royal, j'y suis encore. C'est plus tout à fait celui de l'enfance, mais c'est aussi un quartier qui s'est très anglicisé. Et donc, cette part de ça passe sûrement un peu dans mes propres livres. Je reviens un tout petit peu quelque chose en arrière. Je pense aussi que ce qu'il y a d'intéressant, mais en même temps qui est heurtant quand on voit la traduction, dans Tombeau de loup, quand ça a été traduit
en espagnol, entre autres, puis même en anglais, j'avais, dans un petit liminaire, parlé, bon, d'une toupie, puis bon, enfin, ça partait d'un rêve, et c'était, en fait, une toupie qui tournait, et qui tournait, à un moment donné, sans ailes. Et donc, en français, le « sans ailes » peut donner l'impression au son que c'est sans des ailes, qui n'est plus, puisque la loue en question était morte, mais sans elle aussi, E-L-L-E. Alors que c'est impossible de trouver, soit en espagnol ou en anglais, un équivalent de ça. Donc, il y avait... Et dans un autre chapitre, j'insistais sur le mot « mort », que je répétais une seule syllabe, une seule syllabe. Bien, en espagnol, c'est plus une seule syllabe, donc ça ne marche plus. Il faut donc agir autrement. Voilà. Donc, les langues sont intimement liées à l'identité, en fait. Et parfois, pour garder intacte l'identité d'un lieu, d'une personne, il faut préserver la langue dans laquelle oui, ça a été exprimé. Ou d'un rêve, puisqu'il oui. s'agit oui, d'un rêve. Donc, c'est drôle, cette image-là fait penser à Inception, mais c'était probablement pas ça, votre inspiration. je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait réagir sur cette idée de la langue étrangère qui reste présente parfois dans les traductions oui. ou dans l'original. Alors, dans mon nouveau roman qui va sortir dans 10 jours, en islandais, « Letten », ça s'appelle, c'est sur le pouvoir de la langue, cette langue étrange, archaïque que je parle. Et j'aimerais bien qu'il reste un peu d'islandais dans les traductions. C'est une langue en voie de disparition et j'aimerais bien donner un aperçu de cette langue. Mais puisque vous avez mentionné tout à l'heure dans La vérité sur la lumière, mon dernier roman traduit, il y a toute une liste de chansons en anglais. Je ne me souviens plus s'il avait traduit l'anglais, mais ils sont restés en anglais, il me semble. Ils sont restés en anglais, oui, aussi dans l'édition originale islandaise. Mais ça a à voir avec le thème, avec l'idée de base de l'œuvre qui commence par la naissance. Et il faut naître pour pouvoir mourir, comme il est écrit dans le roman, puisqu'un roman, ça se construit toujours par les oppositions. Pour parler de la vie, il faut passer par la mort. Pour parler de la lumière, comme je fais, il faut parler de l'obscurité, du noir. Et là, c'est toute une liste de chansons en anglais qui commence par « I'm born to die ». Alors, il y avait, je ne sais pas, 90 chansons qui commencent par cette phrase. Ouais. Ouais, c'était les chansons, parce que les femmes qui accouchent chez nous, ils préparent une sorte de liste de chansons avant d'aller à la maternité. Je ne sais pas s'ils le font ici, chez vous. Alors, ça faisait partie de cela. Accoucher, pour mettre un enfant au monde, on prépare une liste. Et moi, je me suis amusée à faire une liste avec qui commence un born to die, un born to run, ou n'importe quoi. Je ne crois pas qu'on ait cette tradition ici au Québec, mais on pourrait... clairement s'en inspirer. Je reviens, Denis, sur une phrase que vous avez dit tout à l'heure, et c'est drôle parce que je l'avais notée, cette phrase-là, car elle se retrouve dans votre livre. Ça ne se dit pas. Et à la lecture, ça m'avait frappée, ça ne se dit pas. Puis là, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que cette phrase assez simple me marque autant? C'est quelque chose qu'on entend souvent, autant quand on écrit comme créatrice, comme poétesse, comme romancière, que quand on traduit. Ça prend deux sens différents. Quand on traduit, c'est non, ça, en français, ça ne se dit pas comme ça. Ce n'est pas idiomatique de le dire comme ça. C'est un calque, tu es resté trop près de l'original. Alors que quand, justement, on s'exprime dans la langue originale, on se dit non, ça, ce n'est pas un bon français, ce n'est pas un bon parler. Il y a une meilleure façon de le dire. Donc, c'est des injonctions qu'on nous lance dans les deux cas.
Et je me suis finalement demandé, est-ce que traduction et création, ce sont deux gestes de conquête, de liberté, finalement? C'est d'aller contre tout ce qui supposément ne se dit pas. La question est riche et complexe. quelqu'un peut m'aider? écrire, peut-être, oui. Traduire, il faudrait que je réfléchisse, mais écrire, pour moi, ça a été justement aller là où je ne devais pas aller. Dans le milieu dans lequel je suis née, les femmes ne parlaient pas beaucoup, enfin, ne parlaient pas des choses essentielles. Ma mère disait toujours qu'on garde les choses pour soi. Elle n'a jamais voulu avoir de journal, un journal personnel, jamais. Elle s'est dit non, je ne veux pas, je vais mourir. Presque, elle ne l'a jamais dit à haute voix, mais mourir avec mes secrets. Donc, moi, au contraire, je veux essayer de mettre des mots, de les trouver, puisque c'est, écrire, c'est aussi questionner le monde, questionner ce chaos, je reviens au départ. Donc, oui, c'est aller là où on ne devrait pas aller, dire ce qu'on ne devrait pas dire, ou tenter de le dire, parce que même quand je dis « ça ne se dit pas », mais qu'est-ce qui ne se dit pas? C'est à trouver aussi, puisque ça n'a jamais été dit. Alors, c'est une quête de cette parole longtemps refusée et que, comme enfant, on peut longtemps se refuser à soi-même et ça prend du temps, des années, des livres et des chemins de traverse pour arriver à se poser ces questions-là. Je dirais probablement qu'en traduction aussi. Ça dépend toujours de ce que l'auteur me donne. Alors, s'il me donne un langage qui est complètement normal, il sent sans beaucoup d'inventions, je le rends comme ça. Mais s'il y a même des images qui sont inusitées, je les traduis, j'essaie de faire le mieux. J'essaie toujours de faire un bon texte en allemand. Et ça, ce sont vraiment plusieurs phases. Parce que au début, on reste toujours trop près de l'original. Mais il faut vraiment que ça sonne, que ça a un son, que c'est vraiment de la musique, que ça rend les thèmes et tout ce qui est dans la langue maternelle. Et ça, c'est un processus que des fois, c'est mieux de laisser reposer le texte. Et après, on le relit, on dit « Ah, mais oui, là, il faut mettre ça ou ça ou ça. » Et quand on me donne une langue que je dois l'inventer avec les moyens que j'ai. Et des fois, ce sont les lectrices qui sont un peu le problème. Parce qu'on veut toujours donner au lecteur ce qu'il aime bien lire. Et quand il y a des aspérités dans mon original, parfois on a le défendre. Non, mais là, dans mon original, c'est comme ça, c'est riche, il faut le garder. Alors c'est toujours aussi, des fois, une lutte pour... Oui, parce qu'on travaille avec les attentes d'un lectorat, toujours en création, évidemment, mais en traduction, ça le sent, on le sent encore plus parce qu'on a un public cible. On sait à qui on s'adresse parce que généralement, un éditeur nous a engagés pour ce public-là. C'est une quête de liberté par rapport à ce lectorat-là, parfois aussi. J'ai peine à le croire, mais ça fait déjà une heure qu'on discute. Donc, je crois qu'on aurait pu poursuivre comme ça pendant une autre heure facilement. Mais il nous reste 15 minutes de questions du public. Est-ce que je peux poser une question? Absolument. je la poserai à Catherine, parce que c'est toi tout à l'heure qui as parlé de Bécité, qui a trouvé sa langue en allemand. Je me suis posé la question, est-ce que quand tu as écrit Smoke Nelson, la mort de tu as pensé l'écrire en anglais? Jamais, non? J'aurais voulu l'écrire en anglais. Ah, d'accord. Mais moi, je pense que... Ça a été très dur de l'écrire en français parce qu'il fallut que j'invente la langue en français de noir américain en français qui vivrait en Géorgie. C'est compliqué. Mais c'est vrai que j'ai cette idée que peut-être c'est jamais la bonne langue. J'ai l'impression de jamais être dans la bonne langue quand j'écris les livres que j'écris, que peut-être j'ai un idéal de... Je pourrais faire mon roman espagnol, mon roman ceci, mon roman islandais, et à jour. Mais oui, c'est vrai, j'ai l'impression que... Mais c'est parce que ça parlait des camps de concentration, oui, donc c'est pour ça que j'aurais voulu faire quelque chose contre l'allemand. Voilà. D'accord. Oui, j'aurais voulu faire quelque chose contre l'allemand, merci. Donc voilà, mais... C'est difficile de... C'est difficile...
depuis tout à l'heure, c'est difficile d'arriver à trouver des liens entre la traduction et la création, mais même s'il y en a, mais ils sont toujours tellement à toujours dire oui, mais, hein, j'ai l'impression qu'on a fait que ça, dire oui, mais bon, c'est très intéressant. C'est merci. Des liens en contradiction. Mais oui, constante. Et puis en même temps, il y a comme quelque chose qui s'approche, puis bon, voilà, merci. Mais merci à vous pour vraiment ces échanges fort passionnants. Est-ce que ça a soulevé des questionnements dans le public? Donc, on a quelqu'un qui va se promener avec un micro pour qu'on vous entende bien, si jamais vous avez une question à nous adresser. On en a une ici à l'avant. Oui, Madame Justice. Oui, est-ce que quand même, on n'arrive pas à une étape au niveau de l'accompagnement, là? Est-ce qu'on n'arrive pas à une étape à un moment donné où il y a un lâcher-prise, surtout en poésie? Jusqu'à quand on peut garder un certain suivi, même un certain contrôle sur notre création, surtout dans une langue qui, par exemple, peut nous être complètement étrangère? Est-ce que, quoi, on fait confiance, on abandonne? Est-ce que alors, comme je suis la poète, j'imagine que la question s'adresse à moi. Je pense que j'ai été traduite en chinois, puis on ne m'a pas consultée. On m'a juste demandé si je voulais. J'ai dit oui, j'ai fait confiance. J'ai aucune idée si c'est près ou loin. Donc, je pense qu'il faut laisser les textes exister. Tant mieux, comme je le dis, quand c'est possible, cet échange qui enrichit à la fois le traducteur et la personne qui est traduite. Ça, je trouve que c'est beau. C'est comme un beau complément à la création. Mais après, oui, je pense qu'il faut laisser échapper le livre. On n'est pas là quand les gens lisent non plus, hein? C'est dans la tête de chaque lecteur, et ça serait intéressant de savoir ce qui se passe au moment, être un petit oiseau dans la tête du lecteur qui prend dans ses mains et qui lit quelques pages à la librairie du livre qu'on vient de mettre en librairie de soi. Alors, oui, je pense qu'il faut laisser échapper, je crois. Je ne sais pas si je suis la seule à penser ça. Mais ça peut arriver aussi qu'on devient populaire dans un pays lointain ou l'autre bout de la planète et on n'a aucune idée pourquoi, on ne sait pas. Alors on se dit, ça doit être la traduction. Oui, moi j'aurais une question posée en ce qui concerne l'autofiction. Parce que dans l'autofiction, il y a auto, donc il y a tout le rapport à l'inconscient de l'écrivain, de l'auteur, du poète, et la fiction qui est une projection autre. Et je ne sais pas pourquoi, depuis qu'on en parle, il y a une phrase de Lacan qui me vient, c'est « l'inconscient est construit comme un langage ». Alors, est-ce que l'autofiction a ses propres règles d'écriture, ses propres règles, n'est pas le bon mot, là, mais ses propres exigences, et ce serait ça ma question, oui. Différente de celle de la fiction, bien sûr. Vous voulez dire, si on pense à soi-même comme un personnage romanesque, c'est ça l'autofiction, je ne sais pas. Oui, bien, la définition qu'on en aurait, non, je le conçois ce serait comme, un peu ça, justement, soit comme personnage. Donc, si, par exemple, moi, j'écris un roman d'autofiction, le personnage s'appellera Mélissa Véro. Mais ça, c'est merci. Une des règles admises, mais après ça, oui, exactement, mais avec laquelle on peut jouer, justement. Donc, la question, c'est est-ce qu'il y a autant de règles en autofiction qu'en roman? Est-ce qu'elles sont différentes? Et la mémoire, il entre dans l'autofiction, alors que j'ai lu quelque part que dans le cerveau, la mémoire et l'imagination sont situées sur le même endroit. Donc, quand on se souvient de quelque chose, on est en train d'utiliser l'imagination. Ouais.
Oui, généralement, le souvenir qu'on a, c'est le souvenir du dernier souvenir. Donc, il y a une déformation constante des événements par la mémoire et c'est faux de croire que la mémoire est objective. Il y a toujours de la subjectivité. Donc, quand on fixe un souvenir dans un texte, c'est déjà de la fiction, en fait. Même si on jure sur la tête de notre mère que ça s'est passé comme ça, on a quand même été dans l'invention. Catherine, vous aviez peut-être quelque chose à ajouter? Ben, moi, je vois. Moi, je suis pas sûre de voir la différence entre la fiction et l'autofiction. C'est-à-dire, pour moi, quand dans l'écriture. Par contre, il faut quand même y penser dans le processus de réception. C'est-à-dire, comment les gens vont nous recevoir si on met moi, un tel, voilà. Et il y a tout un jeu qui se fait aussi, les gens qu'on implique là-dedans. C'est-à-dire, si j'écris, je me rappelle très bien, j'avais eu un de mes personnages, j'avais écrit, elle s'appelait Catherine Mavrikakis, le personnage, et j'avais dit, le personnage avait une mère qui vivait dans Parc Extension, qui était grecque et qui avait des cousins grecs. Et l'éditeur m'a dit, votre mère ou vos cousins grecs peuvent vous poursuivre. Ma mère ne vivait pas dans Parc Extension et je n'ai pas de cousins grecs. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un contrat différent qui se fait dans l'autofiction avec... Alors, moi, je pense que ça ne change rien dans mon écriture, tout à fait. Il y a un jeu qui se fait qui est différent et par rapport à la légalité. J'ai l'impression qu'il y a quand même un jeu un peu pervers, je vais le dire comme ça, qui se fait dans l'autofiction qui est... Ben, on l'a vu avec Dubrovski, il y a quelqu'un qui en est mort, il y a des gens qui en meurent, mais alors que dans la fiction, on peut toujours dire ce n'est que, on peut se cacher dans le pacte. C'est un peu comme ça que je vous répondrais, pas nécessairement dans la création, mais en tout cas dans la projection de comment on va vous lire. Voilà. Et peut-être encore plus pour les femmes écrivant. C'est vrai. De toute façon, quand on écrit... une femme écrit sur l'amour, on pense toujours que c'est autobiographique. Mais j'ai fait un récit d'autofiction, Ce fauve le bonheur. Et en fait, oui, le personnage qui n'est pas nommé, c'est une sorte d'alter ego. Mais évidemment, dans cette autofiction, il y a beaucoup de fiction. Mais c'est vrai que dans la réception, les critiques ou les commentateurs, commentatrices peuvent, à un moment donné, s'attarder plus et oublier que là il y a quand même une distance, même s'il y a des éléments. J'avais donné la date de mort de mon père, il y avait des éléments, mais il y a des noms qui sont changés, des événements qui n'ont pas eu lieu comme ça. Il y a des différences et, en fait, j'avais été, et le titre me vient de là, c'est une petite phrase de Nathalie Sarraute qui m'avait aidée à créer ma fiction, si on peut dire, dans cette auto-fiction. C'est « on est amené », la petite fille en moi se sentait concernée, « on est amené dans le bonheur, pieds et poings liés ». Et elle avait mis « bonheur » avec une lettre majuscule. Et je m'étais dit « mais c'est ça qui organise ma vie ». C'est ce départ dans la vie, tous ces deuils impossibles à faire et ce bonheur imposé par la religion. Ça, c'est moi, ça me concerne. Maintenant, travaillons avec ça. Voilà. Merci pour cette belle question. Y en aurait-il une autre dans la salle? Il ne faut pas jouer les timides. Là, je vous vois vraiment très peu, honnêtement. Je suis aveuglée, donc ça se peut que je manque des mains, là. C'était apporté par différentes personnes d'entre vous, mais je suis en train de penser, avec toute la définition qu'on donne à la traduction, qui est une traduction en d'autres langues, une traduction technique aussi, je me demande si chaque lecteur n'est pas son propre traducteur dans un sens d'interprétation, comme ça a été mentionné parmi vous. Merci. Donc, effectivement, ça a été mentionné rapidement tout à l'heure, cette idée du lecteur qui est lui-même un traducteur, parce que chaque fois qu'un texte est lu, il est traduit par la personne qui le reçoit. Aussi le co-créateur de l'auteur, chaque lecteur, oui. Parce qu'il met son vécu, son expérience,
sa compréhension dans le texte. Donc le livre existe grâce au lecteur. Je peux peut-être te donner un exemple d'une vraie... Je vais traduire un roman policier, 1848, New York. Et on avait un langage qui s'appelait le flash, c'était le langage des voyous. Et c'était même pour les New-Yorkais incompréhensible, on avait un glossaire et tout ça, il y avait beaucoup de dialogues avec. Alors qu'est-ce que je fais avec ça? Ça n'existe pas dans aucun dictionnaire. Alors j'avais le problème de devoir créer, en fait, j'aurais pu inventer un langage. Je suis allée dans les bibliothèques, mais il y avait des dictionnaires de Rothwelsch, c'est notre... langage des voyous, des collections de Berlin, etc. Tellement riche que je me suis décidée, je vais lire ces dictionnaires et en créer un langage. Et ça a donné quelque chose de vraiment riche. Ça m'a fait beaucoup de travail, beaucoup de plaisir. Et là, vous voyez que c'est un exemple, que c'est vraiment une création. Là. On ne peut pas donner ça à une machine. Ça devient de mieux en mieux, mais... ça ne va jamais pouvoir nous remplacer. Oui, puis un autre traducteur aurait probablement trouvé une autre solution. Ça a été la vôtre. Et ça appuie le fait, finalement, que chaque lecteur, puisque le traducteur est d'abord lecteur, va recevoir les choses différemment, va les interpréter et va les penser différemment pour la suite. Donc, s'il a passé ce texte-là à quelqu'un d'autre, il va utiliser d'autres stratagèmes, d'autres outils. Donc, je crois qu'il y aurait autant de traductions de textes qu'il y aurait de traducteurs. Et c'est certainement vrai aussi pour tous les lecteurs et lectrices que vous êtes. Chaque fois que vous lisez le même livre, ben, vous ne l'avez pas reçu de la même façon. Oui, exactement. Comme dit Denise, le moment compte également beaucoup dans notre manière de recevoir un texte, de le vivre. Et des fois, ce n'est juste pas le bon moment. Souvent, quand les livres nous tombent entre les mains, c'est une question de timing en bon français. Il nous resterait 2 petites minutes, donc peut-être pour une dernière question, si quelqu'un a envie de se lancer. Je suis arrivée un peu en retard, peut-être l'avez-vous déjà dit, mais celles d'entre vous qui êtes autrices, avez-vous déjà pensé à vous traduire vous-même? Non. Moi, je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'ai lu un roman d'un auteur étranger traduit en islandais que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'allais chercher 3 autres livres de lui. C'était Paul Auster. Qui était traduit, en fait, par des différents traducteurs. Et c'était comme si c'était écrit par 3 différents auteurs. Alors là, j'ai compris que la traduction, c'est un art, vraiment. Donc, est-ce que vous vous risqueriez à cet art ou vous le laissez aux autres? Non, moi, non. Moi, non, merci. Je me sens quand même là à m'exprimer comme un enfant de 5 ans. Non, je ne pourrais pas. Et ben, je renverserai la question, en fait, peut-être pour Michela. Est-ce que vous auriez envie d'écrire vos textes en langue originale allemande? Avant, j'aurais dit non, jamais, c'est ma profession, mais je ne sais pas. Je me suis demandé ici, parce qu'il y a autant de créativité, si jamais vient un moment où je n'ai plus rien à faire à cause de quoi que ce soit, je m'y lancerai peut-être. Alors, on pourrait s'arranger collectivement pour qu'elle n'ait rien à faire si on veut lire une de ses œuvres. Il ne faut pas nous mettre au défi. Merci pour cette dernière question. Vraiment, merci pour votre belle écoute, votre présence très nombreuse. J'espère que la discussion vous aura plu. Avant de vous abandonner, en fait, j'ai quelques petites invitations à vous lancer. Donc, à 17h30, à la librairie Pantoute, juste ici sur Saint-Jean, donc en bas de la côte, Odur sera en dédicace et il y aura également un entretien, donc vraiment sur son œuvre à elle, à la librairie Pantoute dans
donc 1h30, 1h15 environ. Ensuite, à 20h, au Musée de la civilisation, la programmation de Québec en toutes lettres se poursuit avec Accent Queer, un spectacle auquel vous êtes tous et toutes invités. Et simplement vous mentionner que demain, les tables rondes reprennent à partir de 11h, ici même à la Maison de la littérature, donc pour d'autres belles discussions. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et merci encore. Merci, merci Mélissa.